C'est un extrait de Filigrane, je n'ai pas encore prononcé le mot, je crois, qui est le titre du dernier ouvrage, de votre dernier ouvrage, Francine. Vous qui êtes pasteur, ou qui avez été pasteur, au sens de la fonction, qui êtes théologien, qui êtes poète, qui avez dans cette collection de la petite bibliothèque de spiritualité, je crois qu'elle est connue, publié de nombreux ouvrages, qui touchent à la fois un public croyant, mais aussi au-delà. Et j'aimerais qu'on puisse commencer cet échange avec les mots de conversation et cette idée de rebondir sur le désenchantement en vous demandant, Francine, comment ces deux mots parlent-ils de vous au lecteur ? Conversation et rebondir sur le désenchantement. Alors, tout à fait, en particulier la conversation, parce que je crois que j'écris toujours en résonance avec une parole qui, alors ça c'est le métier de théologienne, une parole qui m'interpelle, qui me bouscule. Je crois que je ne peux pas concevoir de travailler écrit autrement que comme cette conversation avec quelque chose qui m'arrive de plus loin, et en particulier de ce texte d'écriture dont je continue à faire le pari qu'il a beaucoup à nous annoncer et qui mérite notre attention, qui mérite notre intelligence. Et au fond, je crois que ma passion, si je peux le dire, c'est d'essayer de transmettre, ou en tout cas de partager le trésor dans l'écriture, notamment à travers le travail de la langue hébraïque. Ça, c'est beaucoup ce sur quoi j'ai travaillé ces dernières années. Et parce que l'hébreu est... j'ai la chance de pouvoir accéder à ces textes, même si je suis plus loin par une spécialiste de l'hébreu. Mais il y a dans cette langue à la fois curieuse, précise, bousculante, il y a des trésors de signification, il y a une pluralité de sens qui échappe souvent aux traductions, en particulier en français. Et donc, je vais comme ça à la pêche de ces petites perles qui moi-même me mettent en joie, et mon désir, c'est simplement de les partager. Parce
qui est en même temps quelque chose d'extrêmement à la fois fort, je dirais, puissant, mais en même temps ténu et extrêmement fragile. C'est pour ça que j'ai des fois de la peine à dire qu'est-ce que j'ai voulu dire dans ce texte. C'est aussi un balbutiement par rapport à cet invisible qui nous traverse et qui nous porte, contrairement à tout ce qui peut nous porter de façon erronée dans nos vies, qui nous alourdit. Il y a quelque chose d'une légèreté qui nous traverse, et c'est ce que j'ai tenté d'évoquer dans mes pages. Et c'est aussi ce qui nous a intéressé particulièrement cette année, puisque si vous ne le savez pas encore, le thème du Printemps des Poètes en France et donc de notre festival, c'est la grâce, d'où cet intérêt pour l'idée du poids et de la légèreté. Alors on va vous entendre à travers le texte maintenant, avec Marie-Christine Carayol qui a accepté de porter quelques-uns des textes de Philippe. J'ai besoin d'être étonnée. J'ai faim de mots qu'il faut briser pour qu'ils produisent des étincelles. Les mots sont comme des cailloux, des fragments d'un minerai qu'il faut passer, qu'il faut casser pour libérer la respiration. Plus je rends visite aux pages de l'écriture, plus je suis fascinée par le jeu des mots qui creusent la ligne du sens de l'économie. Et cela me met curieusement en joie. J'aime entendre ce qui n'est pas là, mais qui promet d'advenir. En calligraphiant une lettre, je sens ce frôlement des mots sur ma peau qui me tient en haleine, qui me sort de ma peine. Comme une invitation à quitter une posture d'arrogance et de captation pour adopter une patience qui consent à laisser chuter le savoir. Laisser chanter le rythme sur lequel vient se défaire et se faire le sens. C'est entrer en conversation avec l'infini du texte dont le pouvoir dire dépasse toujours le vouloir dire. Merci. Donc, vous plaidez pour la conversation, mais aussi, on pourrait dire une conversation qui fait des étincelles, une conversation rugueuse. Est-ce que la rugosité, est-ce que quand c'est ce que vous disiez en introduction à propos de vous, est-ce que la rugosité, est-ce que quelque chose qui vous résiste, c'est un ferment de révélation de vérité, de justesse, est-ce que c'est là qu'il faut chercher? Alors oui, certainement que déjà dans l'existence, enrichit la plupart du temps, c'est pas ce qui va tout droit, hein, mais c'est ce qui précisément nous résiste et nous
y déceler quelque chose. Et c'est vrai que la manière dont le texte biblique parle de l'irruption de la transcendance, qui, à laquelle l'être humain a à répondre, me passionne, me ravit, parce qu'il y a en même temps cette simplicité extraordinaire. Je vais donner un exemple. Pour moi, au fond, toute l'écriture, toute la saga biblique pourrait se résumer en deux mots. Quand la transcendance fait irruption, quand le divin s'annonce, le texte biblique, l'hébreu dit « et voici ». Déjà, juste ça nous met en alerte. Hein. Il y a un « et voici » auquel l'être humain est appelé à répondre par un « me voici ». Et au fond, on retrouve l'idée de la conversation, c'est que tous les personnages bibliques ont à répondre de ce « me voici ». Ça commence par Abraham, quand Dieu lui demande de faire monter son fils sur le mont Moria. C'est Moïse au buisson ardent. Il y a cette interpellation de cette transcendance qui fait irruption par le « et voici » auquel il est demandé de répondre « me voici ». Et ces deux interjections sont bâties sur une racine qui veut dire « voici ». C'est là, c'est maintenant. Et je trouve qu'il y a dans ce côté abrupt, il y a tout le secret de nos vies, puisque finalement, comme le dit le poète Gilles Baudry, l'essentiel, c'est de se tenir en état d'annonciation. C'est cela que nous avons. Vivre n'est pas seulement subir ou traverser la durée des jours qui nous sont donnés, mais c'est chaque jour répondre à l'appel qui nous est fait. Alors j'aimerais vous emmener un peu plus loin, peut-être vous titiller un peu, légèrement, par rapport à ce que vous dites de la langue hébraïque en particulier, et de ce que vous avez dit tout à l'heure, sur la pluralité des sens, mais vous ne dites pas la pluralité des sens, vous diriez plutôt une infinité de sens. Oui. Est-ce qu'on doit attendre du texte une infinité de sens? Là, c'est un peu le théologien qui parle. Dans cette conversation où il y a les deux « me voici » qui se font face l'un à l'autre, est-ce qu'on n'est pas aussi très conditionné, nous-mêmes certes, mais Dieu d'une certaine manière aussi, parce qu'on en dit, ou parce que la tradition en a dit, ou parce que les textes en disent, est-ce qu'elle est saisissable, cette infinité de sens? Est-ce qu'elle est désirable, et est-ce qu'elle est saisissable? Alors, elle est certainement pas très confortable, parce que nous aimons bien avoir des certitudes ou en tout cas des vérités sur lesquelles nous asseoir ou avoir au moins un certain sol sous les pieds qui soit un peu solide. Mais pour moi, je pense qu'il y a dans la Bible elle-même une sorte de critique du dogmatisme, des croyances figées, parce que Dieu s'y révèle comme un Dieu qui échappe toujours à nos prises, à notre intellect, à notre besoin de le circonscrire, mais l'humain aussi. Je citerai simplement une citation, un passage des Lamentations de Jérémie où Jérémie parle des bontés du Seigneur et il dit la bonté. C'est que les bontés du Seigneur, c'est qu'elles ne sont pas finies. Donc il y a cette infinité de la bonté toujours renouvelée. Mais j'ai découvert que dans le texte hébraïque, le texte ne parle pas des bontés du Seigneur qui sont infinies, mais dit les bontés du Seigneur, c'est que nous ne sommes pas finis. Donc en même temps, du côté de Dieu, il y a de l'infini et du côté de l'humain aussi. Et c'est pour moi, en tout cas, c'est ça qui me met en vie, parce que
que je pense que à partir du moment où nous figeons à la fois notre propre identité, mais aussi celle du divin et l'identité des autres, on court à notre perte. Et donc, il y a ce travail. Je crois que si c'est aussi une manière de rappeler que le nom de Dieu dans la Bible, ce nom imprononçable, hein, ces quatre lettres qu'on appelle le tétragramme, ou encore le nom qui est révélé à Moïse au buisson ardent, souvent traduit de façon erronée par « je suis qui je suis », en fait ça ne veut pas dire grand-chose, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, mais en réalité cette expression « je suis qui je suis », c'est une forme du verbe être qui n'est pas au présent mais qui est au futur. Et donc, si on peut dire les choses autrement, Dieu serait en nous la vie qui demande à devenir, qui demande à advenir. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que cette ouverture qui est sans cesse à remettre en œuvre, à sauver, et je pense aujourd'hui plus que jamais dans une société où les débats sont tellement se figent en dogmatisme et en accusation les uns des autres, en jugement. Et donc, pour moi, c'est la veine qu'il nous faut travailler en tant que chrétien. Merci. Alors, je crois que c'est le bon moment, Marie-Christine, pour lire le passage à propos du prophète Jonas. Je pense à Jonas dans le ventre du poisson qui doit affronter ses propres démons. C'est jusqu'aux confins de l'abandon qu'il doit descendre. C'est à détisser son être qu'il doit consentir pour entendre enfin une autre version de lui-même. Et cela lui arrive à travers les mots qu'il parvient à arracher au plus profond de lui. Quand mon âme s'effondrait en moi, je me suis souvenu de Yahweh, Jonas 2, verset 8. Il n'y a pas d'autre réponse au cri qui étrangle la voix de celui qui désespère. À l'instant où il peut s'ouvrir à la mémoire de l'origine toujours future en lui, Jonas retrouve la parole par laquelle il reprend la main sur sa vie. Celui qui se souvient d'où il vient, celui-là reconquiert la parole et son advenir. Il s'ouvre alors au saisissement de la joie. Devenir, n'est-ce pas venir de ? Un texte qui souligne ou qui redit avec un peu d'autres mots ce que vous venez de dire, Francine, sur la question de l'identité figée. Mais quand même, quand on suit l'histoire de Jonas, que vous connaissez bien parce que vous avez aussi réécrit cette histoire en la traduisant, en faisant un commentaire, Jonas est à cheval entre, ou alors à cheval, ou dans un élan qui le conduit à revisiter ses propres profondeurs, son histoire, son venir d'eux, pour aller vers. Alors c'est quelque chose qu'on entend souvent, on ne peut aller nulle part si on ne sait pas un peu d'où on vient. Souvent le balancier va soit d'un côté, soit de l'autre. Quelle serait pour vous la condition, le critère qui fait que le balancier continue à être le balancier, donc à être vivant finalement entre ce qui a été et ce qui sera, ou ce qui peut être, parce que vous préférez ce mot. Oui, peut-être, c'est vrai que je tourne passablement autour, et c'est pas une de mes inventions, mais c'est parce que dans la Kabbale juive, le peut-être est précisément un des noms qui est donné à Dieu lui-même. Et on peut ajouter que dans les lettres hébraïques qui constituent le mot Elohim, on retrouve les lettres de peut-être. Et d'ailleurs, voilà, si on travaille, mais là c'est une autre question, mais si on travaille ces textes, Jonas, pour parler juste de lui, est invité à aller à Ninive, ce qui n'est pas du tout un hasard, c'est parce que les lettres mêmes de Ninive sont l'anagramme de Jonas, hein, donc ce qu'on entend mal en français, bien sûr, mais au fond, ce
qui est ce à quoi Jonas est appelé, c'est d'aller vers une autre version de lui-même qu'il n'a pas encore découverte et travaillée. Et donc, le balancier, à la fois revisiter son passé, il y a des moments dans la vie, je crois, où la vie même nous expose à cela, nous l'impose, parce que il n'est plus possible d'avancer sans aller revisiter ce qui est resté de l'ordre du nœud intérieur, du nœud psychique, et même au niveau spirituel, je crois que c'est la même chose. Il y a des injonctions qui nous sont faites d'aller dans les endroits de nous-mêmes où nous n'aurions aucune envie d'aller en fait naturellement, mais qui viennent de cette voix qui en nous est plus forte que notre volonté et qui s'impose réellement à nous. C'est ce qui arrive à ce pauvre Jonas, c'est ce qui arrive à la plupart des prophètes bibliques qui je crois, il n'y en a aucun qui souhaiterait avoir toute l'attention de Dieu, parce que c'est vraiment pas confortable. Et au fond, pour aller vers plus de vérité, pour s'approcher de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie, effectivement, d'aller visiter ces ombres, ces profondeurs. Alors, les questions identitaires sont très présentes aujourd'hui, dans la plupart de nos sociétés, en tout cas européennes. Oui. Elles sont très, très présentes. On peut penser qu'il y a un temps de l'histoire où, effectivement, on revisite, puis parfois avec d'extrême rigidité, finalement, ce qui a été. Mais alors, inversement, et c'est aussi le filigrane qui le suggère, je trouve, on vit aussi un régime de transparence absolue, où on va complètement à l'encontre de la profondeur du filigrane, de son mystère, oui, peut-être aussi, oui. Où il faudrait, sorte d'injonction, être transparent, vie privée, vie publique, et aussi transparent dans la chronologie de nos vies, à 20 ans ou à 30 ans d'écart, pouvoir rendre compte aujourd'hui de la personne qu'on a été avant, des choses difficiles à appréhender quand même. Qu'est-ce que vous pensez de cette transparence? J'aurais presque envie de demander si vous êtes heureuse ou malheureuse dans cette société qui court après ses identités. Ah ben, je suis pas très, non, je suis pas très heureuse dans la manière dont la question de l'identité est abordée. Effectivement, je sais pas très bien à quoi obéit ce désir de transparence, de tout montrer, et en même temps ensuite de s'en plaindre, parce que on est l'objet de pression, de poursuites. Je plaiderais pour ma part pour une plus grande pudeur. Je crois que la pudeur est un mot qui a été un peu oublié dans nos sociétés, et le droit au secret, le droit au jardin privé, mais ça, c'est notre responsabilité à chacun. Je crois que si on a envie d'étaler sa vie sur les réseaux sociaux, bien, que ceux qui le souhaitent le fassent, mais en tout cas, je pense que c'est pas ce qui nous est demandé. C'est parce que ce travail d'aller revisiter ce que nous sommes en profondeur, notre histoire, c'est juste pour nous rendre plus responsables par rapport au monde que nous laissons à nos enfants, par rapport à ce que nous pensons que la vie doit porter de valeur. Et donc, c'est ça qu'il nous faut travailler. Et il me semble que vous le travaillez. Alors, je vais dans filigrane, il y a Sarah qui apparaît. La Sarah d'Abraham, on peut le dire comme ça. Oui. Encore que, elle, quand elle change de nom et qu'elle devient un nom, parce que Sarah, au début de sa vie, elle est appelée Sarah, et Sarah, il veut dire ma princesse, donc sous-entendu la princesse d'Abraham. Et quand elle reçoit dans son nom une des lettres d'ailleurs du nom divin, elle devient princesse tout court, à savoir plus celle de son mari, mais celle de l'ensemble de son peuple. Voilà. Alors oui, Sarah. Oui, non, mais
Sarah a été trahie par Abraham, en quelque sorte, qui l'a presque vendue à Abimélec, notamment. Et vous en, la manière dont vous en parlez, vous soulignez l'aspect, on pourrait très bien en faire une lecture, disons, moderne, ou en tout cas actuelle, par rapport à son non-consentement, à sa soumission, et vous en faites une femme debout. Oui. Et parmi la question, parmi les identités ou la définition des identités aujourd'hui, on parle d'identité victimaire. Mais Sarah, pour vous, c'est pas une victime, c'est une femme debout. Oui, je crois que le texte témoigne d'un itinéraire compliqué puisqu'elle elle commence par partir avec le clan de son mari, donc elle est arrachée à son propre milieu, et qu'ensuite, effectivement, Abraham lui demande de se faire passer pour sa sœur pour éviter simplement d'être molestée ou même tuée par les gens qu'ils vont rencontrer, en Égypte notamment. À la fois, elle accepte d'entrer dans cette proposition, mais en même temps, moi, je la sens comme habitée d'une verticalité qui ne lui fait jamais perdre de vue sa dignité. Et là, sa vie est compliquée puisqu'elle elle est atteinte de stérilité, donc il y a toute cette rivalité ensuite avec Agar. Voilà, comme chacun d'entre nous, je pense qu'elle avait peut-être un fichu caractère. Elle n'était pas forcément, j'en fais pas du tout une femme parfaite, mais je pense que, à travers ce que j'entends du texte, que c'est effectivement une femme qui est restée constamment debout et libre, bien que extrêmement attentive à sauver sa vie de couple, à sauver plus largement la vie de son peuple. Mais enfin, c'est quelqu'un, oui, que j'ai au fond aussi essayé de réhabiliter son rire, hein, parce que vous savez bien l'histoire de Sarah, quand elle apprend qu'elle va être, bien qu'elle n'ait plus, comme le dit le texte, bien que la voix des femmes soit pour elle derrière elle. Hein, la voix des femmes, ce sont les règles, donc cette possibilité d'enfanter. Bien que cette voie-là ne soit plus la sienne depuis longtemps, elle est promise à l'enfantement. Ce rire-là n'est pas du tout un rire de moquerie, comme il a été très souvent interprété, alors que le rire d'Abraham, on l'a toujours magnifié, on trouvait que c'était le rire de la confiance, de la foi, etc. Mais quand même, Sarah, elle l'a trop douté, et je pense que ce n'est pas du tout cette question-là, mais que c'est une sorte de frémissement intérieur. J'y repensais l'autre jour, puis je me dis, avec cette expression qu'on emploie des fois, j'ai des papillons dans le ventre. Pour moi, c'était exactement ce qui se passe avec Sarah quand elle apprend qu'elle va effectivement pouvoir enfanter. Cette surprise extraordinaire d'être rencontrée par une promesse qui paraissait totalement vaine, irréalisable. Et donc oui, j'ai beaucoup de sympathie pour Sarah. Alors merci pour ça. Et alors je pense aussi au public que nous sommes, que je ne connais pas, que nous sommes. Et alors c'est quelque chose, à la fin de Filigrane, je me suis demandé, j'ai senti comme une absence, un creux, un manque, c'est ce nous. Et donc j'aurais envie de vous demander, Francine, est-ce qu'il y a une place dans votre cheminement, dans le cheminement avec les Écritures, de la lectrice que vous êtes, de la théologienne, pour le nous de l'Église, qui, moi, m'est apparu comme un manque, enfin, mm-hmm. comme un creux, en tout cas. Comme un creux, oui. Oui, alors, bien sûr, oui, alors il est en creux, effectivement, mais parce que je pense que c'était pas vraiment mon propos. Encore une fois, ce qui m'habite, c'est de faire découvrir un peu les trésors de ces textes qui souvent restent lettres mortes parce que faute d'avoir les outils pour les décrypter. Mais évidemment que je crois
profondément à la lecture en église de l'écriture. D'ailleurs, j'ai longtemps pratiqué ce qu'on appelle la lectio divina hein, dans ma dernière paroisse, et rien ne pouvait plus me mettre en joie que de nous asseoir autour du texte et de laisser venir la surprise de ces mots. Je crois que la lecture plurielle, la lecture en communauté, est évidemment la seule qui nous enrichit vraiment. Et aujourd'hui, alors j'étendrai ce mot église, on va dire plus largement, à cette communauté des gens qui sont en recherche, qui sont en question, et ça dépasse infiniment les frontières de nos églises. Et donc dans ce nous-là, en fait, le jeu est prioritaire, oui. Serait prioritaire. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que il y a un vrai nous n'est fait que de je qui prennent en charge leurs propres paroles, qui sont prêts à assumer, à trouver déjà hein, leur parole et à la partager, bien sûr. C'est pas un nous qui dans lequel les je se fondent, mais au contraire, c'est un nous tissé de tous ces je. On dirait un je responsable. Oui, un je responsable, un je. Qui répond de lui-même. Oui. Je crois que s'il y a un appel qui nous est fait, c'est à la fois répondre de nos vies, mais répondre à la vie telle qu'elle nous est donnée et à vivre aujourd'hui, et que c'est une tâche qui incombe à chacun d'entre nous si nous voulons que notre société demeure une société humaine. Eh bien, prenons chacun trouvons chacun notre voie et n'hésite. J'aimerais juste ajouter à ce propos. Parce que je crois que j'ai beaucoup insisté à plusieurs endroits sur la nécessité d'exercer notre singularité. Et je reviens à la citation que j'ai mise en exergue au début du livre, qui est une citation de Benjamin Fondane, qui dit « Nous sommes habités par une dédicace obscure. Nous, il y a en chacun d'entre nous une dédicace obscure. » Et j'ai découvert qu'en hébreu, le mot dédicace vient d'un terme qui est bâti sur une racine qui signifie la sainteté. Sainteté non pas au sens de pureté, de d'exemplarité, mais au sens de oser être différent. La sainteté dans l'hébreu, dans la pensée hébraïque, signifie oser sa différence, oser se planter avec sa propre voix, sa propre parole, et ne pas subir sa vie ou ne pas se fondre dans l'esprit mouton qui habite quelquefois beaucoup notre société. Et est-ce que c'est possible que dans cette signature, dans cette dédicace, il y ait le nom de Dieu ? Est-ce qu'il est possible de parler de Dieu aujourd'hui ? Je fais le pari que oui, mais d'une manière qui soit subtile, discrète, intelligente, parce que même le nom même de Dieu est un explosif. Enfin, je veux dire pour notre dans notre société d'aujourd'hui, et que c'est tellement compliqué d'essayer de parler de lui sans en faire un outil de combat et de jugement des autres, et d'excommunication. Donc c'est compliqué, mais peut-être que, de nouveau, l'approche des textes nous y aide pour avoir une approche un peu à la fois convaincue, mais respectueuse, oui, respectueuse d'approche des autres, dans d'autres cultures, appelle ou nomme Dieu ou le vive différemment. Merci. Conversation encore, c'est encore la conversation. C'est la conversation, pourvu qu'elle reste une conversation. Oui, absolument. Alors, comme on est dans ce cadre de Poestra, et à Poestra, on a le souci aussi, on essaye de le faire et de le vivre, de conduire ou d'accompagner ceux qui le souhaitent vers un peu d'écriture. Vous êtes là, et j'aimerais vous demander si quelqu'un ici ou ailleurs a envie de prendre le chemin de l'écriture, quel conseil
quel conseil vous lui donneriez? C'était pas prévu. Faut pas me demander à moi, je sais pas. Je pense que le chemin de l'écriture est en fait accessible à tout en chacun. Il suffit de prendre sa plume, son crayon, sa page blanche et de se faire confiance. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ouverture, de la disponibilité à ce qui, ou de l'attention peut-être à ce qui demande à émerger en nous. Donc c'est une sorte de peut-être d'assaise dans un premier temps, de faire taire tout ce qui nous encombre, puisqu'on a aussi parlé de ça, hein, de faire taire toutes ces voix qui nous polluent et qui en particulier nous souffle que nous ne valons rien, que nous ne savons pas faire, etc. Donc, une fois qu'on a, là aussi, il faut donner à laver tout ça. Il faut le donner à la blanchisserie, et puis s'en défaire, et puis se rendre un peu disponible. Et peut-être que la surprise... Je pense qu'écrire est aussi une manière d'aller toucher de permettre ces structures intérieures, de fortifier cette colonne vertébrale qui, quelquefois, en nous, est un peu vacillante et permet de poser des mots. Moi, je suis quand même extrêmement émerveillée par le travail que font les mots en nous, par la lumière qu'ils projettent ou qu'ils nous insufflent, par le souffle qu'ils nous donnent. Il y a aussi, bien sûr, l'ambivalence du langage, hein. Le langage n'est pas qu'une promesse, il peut aussi être une menace, bien sûr. Mais voilà, travailler, oui, je crois que écrire, allons-y, osons. Audace, disponibilité, attention et laisser travailler les mots en nous. Alors, merci beaucoup. On va écouter une dernière lecture de poème, cette fois un peu plus ancien, oui, que Filigrane, mais de vous. Donc ce sont deux poèmes extraits de Braise de douceur. Voilà. Il aura fallu qu'une brise vive et légère caresse les paupières de la nuit. Et voici, tressant l'ombre d'une force neuve, des poussières d'aube sont entrées dans la ronde des jours et veillent sur demain. Aux jours incertains, secouer l'édredon du temps. Il arrive que sous les heures friables, l'éternité se déplie soudain. Merci à nouveau Marie-Christine. Et donc il nous reste quelques minutes qui peuvent nous permettre d'échanger et de transmettre vos questions à Francine Cario. Je veux bien faire passer mon micro pour ça. Ouais. Mais c'est vrai que peut-être qu'on est dans un thème ou dans un propos qui n'est pas... Enfin, sur lequel il n'est pas très facile de réagir. Moi-même, quand on me demande de parler de mon livre, je me dis, mais au fond, qu'est-ce que je peux en dire? Parce que je crois que je touche à quelque chose d'un peu ténu, d'un peu de fragile, qui se révèle difficilement, avec lequel il faut avoir de la patience pour l'approcher. Donc, je peux très bien comprendre que voilà, ce ne soit pas si simple. Alors, il se trouve, je pense que ça va se rejoindre. On m'a collé, sans me demander, un verset de confirmation qui est tiré de l'Apocalypse. « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et je suis en train de me dire que c'est peut-être le ou la filigrane dont vous parlez. Le fil, le fouille. Oui. Et je me suis toujours demandé ce que je pouvais bien avoir.
Très joli. Ben, c'est l'invitation à chercher ce qui fait votre couronne, ce qui fait votre singularité, ce qui habille votre vie, qui ne vous appartient qu'à vous et dont vous êtes responsable. Alors, ce n'est pas une question, c'est un merci, parce que vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais depuis longtemps, parce que je vous lis depuis longtemps, du temps où vous faisiez une chronique dans un magazine, donc ça remonte à bien longtemps, et je trouve que j'ai toujours lu vos livres, parce que justement, je trouve qu'il n'y a rien de... C'est tellement léger, en fait. C'est tellement léger que vous donnez envie de prendre les paroles qui sont parfois austères, qui sont parfois rébarbatives ou trop connues, et vous donnez envie de justement s'alléger. Donc, voilà, je voulais vous dire un immense merci. Moi, vos livres m'accompagnent. Les couvertures sont... beige un peu, je ne sais pas si elles sont oui, toujours oui, un peu comme ça. C'est la collection de chez Labeur et Fidèle. Voilà, et ben on voit des coups de crayon de parce qu'elles ont été manipulées. Et puis je fais de la peinture. Donc ce que je fais, c'est que parfois je peins sur la page et puis après je l'offre à des amis dont je sais que Je sens que je peux leur offrir, c'est pas forcément parce qu'ils sont croyants ou chrétiens, mais parce que je sais qu'ils vont apprécier votre parole, qui n'a pas de frontières, en fait. Voilà. Merci. Bon, merci beaucoup. C'est vrai que c'est pour moi toujours un cadeau quand on me dit que mes paroles peuvent être recevables, quel que soit le lieu que l'on habite et qui n'est pas forcément un lieu d'église. Mais je pense que c'est ce que j'essaye de rejoindre, c'est l'humain en chacun d'entre nous. Donc c'est cette ouverture et sur ce qui nous est... Qui nous est essentiel pour nourrir notre chemin. Il y a quelque chose qui est à partager. Et quand nous sommes suffisamment vrais les uns avec les autres, eh bien, nous donnons cette... Oui, alors, il y a par exemple cette idée de la manne, on n'en a pas parlé, hein, mais je pense qu'il y a vraiment ça, c'est qu'en chacun de nous, il y a une manne qui nous est donnée. D'ailleurs, je peux juste préciser qu'en hébreu, le mot manhu veut dire le quoi. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est donné au peuple d'Israël dans le désert à manger, c'est une question. Et pour moi, c'est absolument fondamental. C'est que, finalement, ce qui nous rassemble, ce qui nous nourrit le plus, c'est pas tellement de partager nos certitudes, mais c'est de partager nos questions. Et c'est comme ça que nous avançons les uns les autres et que nous enrichissons. Voilà. Merci beaucoup, madame. Y aurait-il encore une question, une remarque, un témoignage ? Juste avant de venir, je me suis demandé, mais en fait, j'ai lu vos livres il y a très longtemps, est-ce que ce n'est pas de là qu'est né ce désir pour moi aussi d'écrire ? Parce que c'était simplement des petits bouts de phrases, pas juste tout un paragraphe bien construit, mais du coup, c'est pouvoir laisser venir cet élan fur et à mesure. Et donc, merci. Évocation, oui, absolument.
Ce sera sans regret, hein. Mais peut-être avec la possibilité quand même de retrouver Francine Carillo à la table de la librairie au Berlin. Elle se rend disponible pour dédicacer un de ses ouvrages, alors peut-être Filigrane ou un autre. Donc là, dans les minutes qui suivent, peut-être après nos remerciements. Merci beaucoup. Vous ne voulez pas applaudir ?